Donc, faudra aller faire crac crac pour lui après. Va finir, vite va finir ton tableau, comme ça après tu iras remonter le divertissement de ton mari, Dina. Ah bah d'accord. Tu veux pas. Ah t'es malade aussi, bah oui, t'as refilé sa maladie. Allez hop, faire crac crac avec Olivier. Une deuxième chambre pour les triplés. Oh là là, Meryl, je relis ton message et quelle angoisse. Oh, Winter is here. Alors, utiliser, vendre. Ouais, dès qu'on aura 5000, on va se lancer un petit peu dans la rénovation, essayer de remettre... de donner un petit peu de faire que cette maison ressemble à, finisse par ressembler à quelque chose. Parce que pour l'instant... Puis j'aimerais bien avant qu'on refasse la maison, qu'il ait sa promo, comme ça je peux me débarrasser du bar. Tiens, toi aussi, va préparer des boissons. Comme ça, on se débarrasse du bar. Non, tu peux pas juste préparer des boissons, t'es obligé de les faire pour quelqu'un. Ah ouais. Ah, des boissons pas chères. Comme ça, après, Winter is coming. Ah oui, non, bah là, Winter is here. Ah mais je viens de voir ton message, Missing, je te réponds après. On en est où là? Elle est à 6 boissons. Allez, on y est presque. Préparer une boisson de l'eau. Ça va être rapide ça. Bah de l'eau, hein, vas-y, puisque l'eau on peut. Et en plus, c'est gratuit. Allez, encore deux fois. Il n'y a qu'une réponse possible. Ah bon, c'est quoi la réponse? C'est quoi? Bon, voilà, elle a validé. Donc, du coup, tu peux tout nettoyer. Réfléchir au remplissement du verre. Jamais eu ça. Golpa Vipiterb. Ah, ça fait 4 ans que je joue aux Sims et tous les jours j'en découvre. Oui. Oui, c'est une réponse, effectivement. C'est pas forcément celle que j'aurais donnée. J'ai plutôt d'autres réponses à te donner, mais effectivement, c'est... Oui, c'est normal parce que, en fait, je suis en diffusion simultanée sur Twitch et YouTube. Donc les 3 messages au-dessus de Missing sont des messages qui viennent du chat YouTube. Donc tu les vois dans la vidéo, mais tu ne les vois pas sur ton chat Twitch. C'est tout à fait normal. Nettoyer vert. Non, c'est pas un bug, c'est vraiment... c'est parce que voilà, je peux mixer les deux sur la vidéo, mais pas sur Twitch, c'est normal, on peut pas voir. Du coup, je sais plus à partir de quel niveau il a plus besoin de la mixologie, parce que je vais le faire partir après dans la cuisine. Et niveau 5, je crois que c'est le prochain qu'on choisit. Hein. Parce que je me débarrasserai bien du bar, en fait. Mais j'ai peur d'en avoir besoin. Et d'ailleurs, il faut qu'il fasse quoi, lui? Oh putain, lève-toi, faut aller préparer à manger, là. Utiliser... Hey.
Cuisiner. Macaroni, décidément, on est très macaroni, mais les pâtes, c'est la vie. Donc. Ah putain, elle veut se doucher, j'ai pas de baignoire. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va anticiper un tout petit peu sur la rénovation. On va juste faire une deuxième salle de bain avec une baignoire. Donc on n'a qu'à se dire que la salle de bain des parents, elle est en 3 par 3, c'est pas mal. Que du coup, celui-là de mur, j'en veux pas. Merde, j'ai pas supprimé ce que je voulais. Voilà. Et qu'il me faut une porte. Donc on va donc mettre là. Et il me faut une baignoire. Une baignoire. Déjà, hop, un petit peu de lumière, ça fera pas de mal. Un peu de lumière dans le couloir aussi, c'est pas mal. Peut être utile. Et une baignoire. Une baignoire, une baignoire. Attends, je regarde. Mais du coup, les followers, c'est le nombre de Twitch et YouTube. Non, c'est que Twitch. Il y a 18 personnes sur Twitch et 4 personnes sur YouTube. Enfin. C'est ce que je vois moi à cet instant-là. Hop, une baignoire. Et voilà, ce sera tout pour l'instant. Finira de rénover après. Ah, sur la barre là? Ah non, là c'est que les followers Twitch. J'ai pas fait de barre pour YouTube. D'ailleurs, même si j'ai pas fait d'alerte non plus, si les gens s'abonnent ou quoi, Faut que je fasse tout ça. À partir du niveau 6, soit traiteur en chef, il aura besoin de cuisine et gastronomie. D'accord, donc je peux me débarrasser de... Comment ça s'appelle? Je peux me débarrasser du bar. Je suis sur YouTube, YouTube au piqué. Mais non, ils sont gentils les gens sur YouTube. C'est juste que j'ai pas encore eu le temps de me pencher. Du coup, on peut se débarrasser du bar. Puisque Dina, elle a validé son aspiration. Et que, a priori, Olivia n'aura plus besoin. Bon. Écoutez, c'est pas mal. Oui, là, j'ai pas cliqué. Non, touche pas, touche pas, touche pas. Hop. Voilà, donc on a la baignoire. On va pouvoir aller laver Agathe. S'il est au niveau 6, oui, sinon il en a. Ah, il a besoin. Mais normalement, il a tout ce qu'il faut. Regarde. Il a déjà la compétence 4 de mixologie. Donc normalement, il est niveau 5, il va valider niveau 6. Du coup, il ne va plus en avoir besoin. J'espère, parce que sinon, je l'ai vendu. Alors, comme ça. Voilà, faut qu'il fasse à manger. Toi. Oh là, pardon, qu'est-ce que j'ai fichu? Toi, tu vas laver, donner un bain à Agathe. Ok, j'avais pas vu, c'est bon alors. Bon, bah tant mieux, de toute façon, comme je te dis, de toute façon, je l'ai vendu, donc au pire, faudra le racheter, quoi. Ok. Donc, il fait à manger, il travaille à 14h. Faut que tu fasses à manger deux fois. On est puni. Mais non, vous n'êtes pas puni. C'est que c'est. Comme c'est le premier live que je fais, j'ai pas encore eu le temps de mettre en place tous les petits trucs à côté, comme l'alerte quand j'ai un nouvel abonné. Ou... J'ai pas eu le temps de mettre ça en place, mais je vais m'en occuper. Cet après-midi parce que ou ce soir parce que ce soir je peux pas faire de live donc je vais m'en occuper ce soir. Techniquement, tu peux up ton job sans valider mais c'est beaucoup plus long. Ouais, non, on va pas y passer. Déjà, tu trouves que c'est déjà pas assez long comme ça. Tu trouves que déjà on galère pas assez. Bon, elle a la dalle. Tiens, bah viens manger, ton père il vient de faire des macaronis.
prendre une portion, on fait des bêtises. Mais non, faites pas des bêtises. Enfin, vous avez dit que j'allais avoir des triplés quand même. Donc ça, rien que pour ça, si tu veux, c'est pas gentil. Mais sinon, à part ça, cuisiner haricots aux saucisses. Voilà. Toi, vas-y, va faire des tableaux là parce que du coup on a besoin de sous pour la maison. Je rigole, de toute façon je suis déjà abonnée. Round C'est and gentil, beautiful. merci. Ho Ça existe les quadruplés chez les Sims? Non. Pas dans les Sims 4 en tout cas. On peut en avoir que 3 à moins de faire une manip sur le MC Command Center. Et croyez-moi, j'ai pas fait cette manip là. Un à la fois me va très bien. Donc toi tu finis. Elle est où ta tablette? Qu'est-ce qu'il fout là? Allez, on continue. C'est pas drôle. Oh, si 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 si, c'est bien. Le travail d'Olivier commence dans 1 heure. Alors, on se détend. T'as fait à manger. À 75%. Allez, refais un plat. Cuisiner. Hop, macaroni pour 4. Let's go. Après douche. Douche méditative. Et est-ce qu'on peut regarder les nuages sous la pluie? Ça se tente, ça se tente. Enfin, je sais pas si on va avoir le temps quand même. On va voir. Si on a le temps, ça se tente. Si on n'a pas le temps. Voilà, donc là normalement ça c'est bon. Tu peux aller. Prendre ta douche. Attends, avant d'aller travailler, tu vas quand même aller regarder un peu les nuages. Et toi, pourquoi tu veux pas jouer sur ta tablette? Bon, c'est bon là. Ah, il sort de la douche. Regardez les nuages. Jusqu'à 45, et à 45, tu vas au boulot. Ah non, tu peux pas regarder les nuages sous la pluie. C'est bien ce que je me disais. Allez au boulot. Par contre, t'es pas du tout. T'as pas du tout le bon mood d'être là. Ah zut, c'est pas sur ça que je voulais cliquer, c'est sur Dina. Ah, c'est Dina, elle en peut plus. J'avoue qu'ambitieuse, quand t'es mère au foyer, c'est pas gagné. Si elle fait que des tableaux classiques, elle fera toujours les mêmes toiles. Ouais, c'est vrai. Bon, aujourd'hui, c'est pas Wizbot qui casse les pieds, mais les vérifs. Ah! C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. C'est ma faute. Du coup, tu disais quoi déjà? Trois, tu es à 2 doigts de te prendre. Alors, toi, tu es à 2 doigts de te pendre. Alors, 4, oui, c'est ça. Exact. Non, mais 3 à la fois. Vous vous rendez compte le bordel? Mais tu fais rien d'autre que t'occuper. En plus, tu peux pas les faire grandir tant qu'ils ont pas maximisé toutes leurs compétences, quoi. C'est ingérable. En plus, il n'y en a pas un qui écoute ce que tu lui dis, quoi. Tu leur donnes des directives simples, claires, nettes et précises. Et ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Je n'ai aucune autorité sur mes Sims, il faut le savoir. Ils font ce qu'ils veulent comme ils veulent. Vraiment, je n'ai aucune autorité sur eux. Allez, plus que 1000 et on se fait une rénov. Ah bah, elle veut plus. Elle veut plus. Bon, bah, va faire le ménage, hein, si tu préfères. Puis gérer 3 bambins. 2, j'en avais trop marre. Ah oui, c'est clair. Respecter son autorité. Merci Estelle. Parce que j'en ai marre. Il serait temps qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes qui est le maître. C'est qui le patron? Ça va, c'est pas un appôt. Oh bah tu sais, le début, toi au moins dans ton appôt, dès le départ, t'avais un lit, un toit, un évier, tu t'en sortais bien. Moi, j'avais pas de toit, pas de possibilité de me laver. J'avais pas de lit, donc je me demande lequel des deux a le plus mal commencé quand même, hein. Puis tu pouvais aller travailler, moi j'avais pas le droit. Le respect est mort même avec les Sims. Ah ouais, non, mais aucun respect quoi. Ah, puis ça la saoule de faire le ménage aussi. Écoute.
Moi aussi, ça me saoule de faire le ménage, mais je suis obligée. Au pire, si vraiment ils sont chiants. Ouais. C'est ça. Au revoir. Tu veux vraiment que je les... Tu veux que je les tue en plus. Eh ben, c'est beau ça, tiens. Bravo. Bravo, bravo. Je ne te félicite pas, mademoiselle. Oui, j'avais pas le droit de bouger, pas le droit de vendre des trucs, pas le droit de doucher, pas le droit de manger, n'importe quoi. J'ai tellement l'habitude de commencer avec rien du tout que ça me fait plus grand-chose, oui, c'est vrai. Le soleil, c'est bon pour la peau. Oui. Bon, tant qu'elle est tendue, je peux rien faire. Et... Bah oui, t'as pas d'emploi, t'as pas d'emploi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce sont des choses qui arrivent. Tu es mère au foyer, c'est le plus beau métier du monde. Ça paye pas beaucoup, mais c'est pas ma faute s'ils ont mis la crème solaire, ça doit être ça. Et merci, merci Océane pour le follow, merci beaucoup. Salut, j'aimerais le faire, mais je comprends rien aux règles. Oh, franchement, c'est pas, enfin, c'est pas compliqué. Disons qu'il y a beaucoup de règles à respecter, mais une fois que t'as tout assimilé, une fois que t'as tout assimilé, c'est pas si compliqué que ça au niveau des règles. Et salut Ayoub, Farou. Enfin, c'est facile, tu peux rien faire. Ouais, c'est ça, voilà. Rien, walou. Bon bah va manger si tu peux rien faire d'autre. Putain, tu sers vraiment à rien. Ah oui, si, tiens, hop. Ah, je peux pas, il est pas là. Comment ça avance son histoire? Ben mal. Mal, mal. Elle va pas avoir sa promo aujourd'hui, hein. Merci pour ce résumé. Du coup, putain, tant qu'elle est tendue, bah faire du sport. Tu veux faire du sport? Ben, viens faire du sport, faire de l'exercice, faire des abdos si tu veux. Je suis pas sûre que ça la. Si ça marche. Faire de l'exercice, s'étirer. Non, Katrina, c'est bon. Voilà, bah on va attendre que ça passe. Faudrait qu'on change un peu les meubles aussi, genre un meilleur frigo, un meilleur. On a vraiment besoin de beaucoup d'argent et on n'en a pas, en fait. C'est le seul souci, quoi. Enfin, on en a, mais on en a besoin pour finir la maison, quoi. Et salut Emma. Du coup. Putain, elle peut rien faire. Bah va dormir. Si tu veux que je te dise toi. Toi, tu vas aller aux toilettes. Oui, t'es en colère, personne te parle, t'as pas d'amis, c'est bon, ton père il rentre à 22h. Tiens, tiens 2 heures, ça va bien le faire. Allez, continue. Je crois qu'elle est où? Elle va valider le niveau 4 de la compétence. Ah non, pas du tout, niveau 2. Je me suis emballée. J'ai cru qu'elle était déjà niveau 3 ou 4. Bientôt les 5000 pour la rénovation. Ouais, bientôt, bientôt. Mais pour ça, il faudrait qu'elle puisse peindre des tableaux. Et elle a pas l'air surmotivée. Il est déjà midi. Pas sûr que ce soit pour aujourd'hui la rénovation. Désolée, non, délice de la chaîne Sims Artist, fais attention à pas laisser sa petite jouer trop souvent sur la sablette, mais toi tu n'as pas de scrupules. Ah bah non! Alors là, aucun scrupule. Hein. Vraiment, je suis une mère totalement indigne hein, dans les Sims. Hein. Alors là, la télé, la tablette, fais-toi plaisir. Hein. C'est délice, c'est une bonne mère de boîte de famille. Moi, je suis une vraie mère indigne.
Comment ça va? Bah écoute, ça va bien Emma et toi? Ça va bien. Donc, pour une fois, disons que les habits sont pas trop mal assortis et tout. Franchement, ils ont fait des efforts là pour Agathe. Hein. Ils ont fait des efforts pour Agathe. Il est où? Bah alors, rentre. Prendre dans les bras. Bah, dépêche-toi de parler à ton père parce qu'il est aussi au bout de sa vie que toi. Donc, allez, va faire pipi. Tiens, demande de l'aide pour le pot, comme ça. Socialement, c'est pas mal. Ah bah non, bah, il fait dans sa couche. Bon, bah, tant pis. Tant pis. Non, mais t'es pas de crise, il va te montrer comment on va sur le pot, comme ça. Socialement, vous remontez. C'est grâce au papa, il est beau gosse, ouais, c'est ça. Voilà, elle est pas vilaine, hein, Dina, quand même, hein. Elle est plutôt mignonne. Elle est plutôt mignonne. La pauvre Dina, elle voulait devenir mixologue de talent, mais elle se trouvait élevée 10 mioches. Ça pourrait être pire, hein, je pourrais l'embarquer dans un sans bébé, hein, donc... Moi, je trouve qu'elle s'en sort pas si mal que ça, finalement. C'est très en colère, bah écoute. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller lui lire une histoire. Comme ça va faire remonter son social. Et puis après, tu iras dormir, parce que t'es au bout de ta vie. Et tu travailles dans 13 heures. Et peut-être que si on arrive à avoir le bon Moodlet, on va peut-être pouvoir avoir sa promo demain. Sentez l'espoir dans ma voix. Les toilettes sont cassées, j'avais pas vu. Oh, bon, on n'est pas bien. Allez, lis-lui une histoire. Ah bah non, ou pas. Ou pas, ou pas. Bah, répare les toilettes parce que... Parce que vous allez en avoir besoin. Du coup. Donc ça fait 2 heures quand même qu'on est en live. C'est pas mal. C'est pas mal. Il en peut plus là. À mon avis, il va même pas réussir à réparer les toilettes. Il va se pisser dessus et s'endormir la tête sur la cuvette. Comme ça. Tout. Oui, mais Dina, elle sera pas mannequin. Ah bah ça. Non mais va aux toilettes, va aux toilettes, va aux toilettes. C'est pas le moment de lire. Hein. La toilette et tu dois. C'est tendu, hein. Ça devient n'importe quoi cette histoire. Allez. À toi. Ok, toi ça va. Manger, prendre des restes. Et remargotine. Remarquez, on a un peu de sous, on peut peut-être essayer d'autres toiles. Allez, on va essayer une toile réaliste. Une grande toile réaliste. C'est là que ça va nous coûter des sous. Je sais pas pourquoi, je le sens. Je sens que ça va nous rapporter moins que ce que ça nous a coûté. Mais bon, on va faire confiance à Dina. Si c'est une bonne idée. Hein. Oui. Il dort pour l'instant. Quand il se lèvera, hop, il prépare le dîner. Alors qu'il peut peut-être préparer un repas gastronomique, non? Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. En montant tempura aux légumes. En montant son. Et si elle peint dehors, elle peut pas s'inspirer du paysage? Si, mais je crois que là, pour le coup, ça rapporte pas grand-chose. Puis comme c'est pas des. Comme c'est pas des tableaux que je vais garder, je m'en fiche un petit peu de savoir à quoi ils ressemblent. Alors, elle mange et elle peint en même temps. Mais elle est multitâche. C'est comme multipasse, mais multitâche. Ouais, parce que le but, c'est de se faire de l'argent, en fait. C'est pas d'avoir des jolis tableaux. Ça, on s'en fiche. On veut juste du pognon, du pognon, du pognon.
Je propose qu'on crée une plante carnivore, qu'on la nourrit pas pendant 7 jours et qu'on laisse la bonne la nourrir avec les déchets. Oups, mauvais jeu. Oh si, on peut le faire, hein, mais bon, c'est pas gagné. Et bonjour Killer. C'est-à-dire que si je fais ça, mon challenge va tourner court, hein. Qu'est-ce qu'elle a encore? Qu'est-ce qui va pas encore dans ta vie? Toi, t'en es ouf parce que tu travailles dans 7 heures, donc faut pas qu'on t'oublie. Multitâche, elle met des tâches partout. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Elle met des tâches partout. Ça s'appelle la plante vache, ouais. Oui, on peut sortir la plante vache. Mais non. Alors déjà, de base, je joue très peu avec cette plante. Et là, dans un challenge où on risque de voir mourir les gens, c'est pas possible. C'est bon, j'ai déjà tué un de mes challenges avant la fin, j'ai pas envie de recommencer. Sans façon. Oh, le joli petit chat. Et le petit chien, c'est mignon. Non, on prend pas de chat ni de chien, non. Je sentais que c'était la question d'après. Pas de triplé, pas de chiot, pas de chaton, rien. Bah non, elle nous rapporte quand même des sous. Au pire, tu plantes une plante vache et tu laisses la gamine avec. Non mais ça va pas, Ayoub. Mais le truc de la plante carnivore, la bonne, c'est que dans les Sims, permis de sortie, si tu faisais ça, t'avais une bonne gratis car son fantôme faisait le ménage. Ah, c'est un bon plan, ça. C'est un bon plan. Ouais, il est sympa le tableau, mais je vais le vendre quand même. Est-ce qu'on a besoin de sous? Bon, allez, vas-y, lève-toi. On n'a plus le temps. Vous avez un nouvel abonné. Oh, je sais pas qui c'est, mais merci. Sur la galerie. C'est peut-être personne d'ici, hein, remarquez. Hein. C'est peut-être une coïncidence. Donc, il fait à manger. Est-ce que faire un repas gastronomique? Ouais, ça compte d'en préparer à manger. Aucune considération avec le dur labeur de Dina, je suis déçue. Non, on a dit que c'était une esclave. Depuis le. Est-ce que tu m'as épousé? Non, par la maman. J'ai décidé que sa vie serait un enfer. Hein? On met pas un vent comme ça. J'ai cru qu'il allait mourir d'embarras. Oula! Comment tu... Mais arrête! Mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais n'importe quoi. Oh, la facture! Ça faisait longtemps. Oh bah, t'as la vache. Ça rigole plus là. Faut qu'il refasse à manger, je crois. Ouais. Hop, hop, pas gastronomique. Hop là. Ah, donc tu vois, Killer, il y a déjà une bonne dans cette maison. Ouais, c'est Dina. C'est la bonne à tout faire. Elle fait les tableaux, elle fait le ménage, elle s'occupe des enfants. C'est parce que voilà, elle a voulu trop la ramener. A perdu. Il va pas mourir d'embarras, il va mourir brûlé. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Dina, elle s'ennuie sec. Mais c'est pas. Ah non, c'est pas Dina. Bon, Dina aussi, elle s'ennuie. Ah, mais j'ai pas le temps de vous faire faire crac-crac, là, les gens. C'est pas possible. Allez, pop art. On n'a pas le temps pour l'instant de faire crac-crac. Tu dois préparer à manger encore deux fois. Et on verra si on a le temps. 4 heures, je sais pas. C'est une femme au foyer, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, bon. Normalement, une femme au foyer, quand même. Ton mari t'aide un petit peu quand même, il rentre et tout ça. Non, elle est vraiment là que pour gagner de l'argent et faire le ménage. Parce que normalement, une femme au foyer, elle gagne pas d'argent. Tu vois?
Oh bah dis donc. Elle est malade, je crois. Elle est... Elle a un fou rire. D'accord, c'est bien. J'espère qu'elle va pas mourir de rire. On peut mourir de rire? Je sais même plus. Je sais qu'on peut mourir d'embarras, ça m'est déjà arrivé. Agathe a très faim, bah viens manger. Mon père, il vient de faire un repas gastronomique. Peut-être en profiter, non? Ça y est, c'est fini. Je pense qu'il faut que tu refasses quelque chose. Ah non, c'est terminé. Donc Dima, arrête ça. Et un petit crac-crac avec Olivier. Oh, c'est original, elle peint des boîtes de conserve maintenant. Oui, tu peux mourir de rire. Ah merde. Pas dans les années 70, les femmes restent à la maison et fait tout pendant que l'homme en fout pas une. Ouais. C'est les choses ont un peu changé. Voilà, c'est une femme au foyer à l'ancienne. Oui, elle va mourir de rire après avoir accouché des triplés et son mari m'a brûlé. Ayoub, Ayoub, elle veut tuer mon challenge. Ayoub, elle veut que je tue le challenge. Le mieux, c'est des enfermés entre 4 murs d'Amérique. D'accord. Non, bah écoutez, je vous promets, si vous voulez, je peux faire un challenge Hunger Game, hein, si vous voulez qu'il y ait des morts partout. Hein. C'est possible, hein, ça existe. Hein. Mais là, pour le coup, c'est pas le but. Donc là, il fait crac-crac, il reste 2 heures, donc après douche méditative. Donc là, normalement, tout va bien pour toi. Bah, tiens, un peu fatigué, c'est dommage. Douche méditative, tu vas dormir, et après, tu iras voir les nuages, rapidos.